c'est Starfire de GAG, alias Naïmé pour les intimes. Je suis avec Camille, en fait, qui est mon frère, qui est bouddhiste. Et ensemble, nous allons découvrir, ou vous faire redécouvrir, l'origine biblique de la nativité au moyen du jeu vidéo. Donc, c'est parti! Comme d'habitude, vous savez, je suis vraiment très attirée par les choses originales. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai vraiment eu à cœur de vous présenter Baby Jesus Christ RPG, en fait. Et je ne sais pas du tout si vous êtes au courant, mais ça a été créé à partir d'RPG Maker, en fait. Et sans doute, il y aura un graphique très proche de Gigabyte Advance, en fait. Et donc, on va voir qu'est-ce que ce jeu a dans le ventre. Parce que même moi, je connais pas vraiment. Je connais, en fait, le deuxième opus, mais j'ai pas vraiment joué au premier opus. Donc, let's go! Sois bénie, Marie. Le Seigneur est avec toi. Ne sois pas effrayée, Marie. Tu as les faveurs de Dieu. Tu tomberas enceinte et donneras naissance à un fils, et tu le nommeras Jésus. Mais comment cela est-il possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit descendra sur toi, et le pouvoir de l'Éternel te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Je suis une servante de l'Éternel. Qu'il en soit fait selon ta parole. Joseph, j'ai besoin de te dire quelque chose. Pas besoin de t'expliquer, Marie. Enfin, concernant ta grossesse. Je sais tout. Un ange m'est apparu en rêve et il m'a dit ceci. Joseph, fils de David, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Tu peux prendre Marie pour femme parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils premier-né, qui aura pour nom Jésus, parce qu'il sera le sauveur. Il sauvera son peuple de leurs péchés. J'ai pensé que tu ne me croirais pas. Nous pouvons nous marier le plus tôt possible, une fois que nous retournerons à Bethléem. Bethléem? Notre mariage? Ah, si seulement. Tu devrais lire la lettre qui est sur mon bureau. J'ai besoin de... Après, là, je comprends. J'ai besoin de prendre... Vas-y. C'est bien, ce que vous avez fait. Je dois me faire recenser, moi et ma famille, dans ma ville natale, à Bethléem. Donc, du coup, on va être Bethléem. Ben, je crois qu'on va devoir aller à Bethléem, alors. Let's go. Allons à Bethléem. Bon, là, on va chercher la lettre. Par contre, la lettre, comme elle est assez longue, ce qui va se passer, c'est que je devrais faire une coupure. Et on se revoit plus tard. Je vais laisser Camille traduire. Habituellement, je travaille en fait au palace d'Hérode. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il a vraiment peur de l'arrivée du Messie. Mais par chance, le Messie n'est pas encore né. Et c'est une bonne chose parce que Hérode l'aurait sûrement éradiqué de la surface de la terre. Voilà. Ben pour ceux, comme je disais, qu'ils ont une connaissance biblique à ce sujet, je pense que certains savent que le roi Hérode, en fait, avait très 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 peur du Messie. Parce qu'en fait, le Messie était présenté comme un sorte de chef, un guerrier, et beaucoup de personnes imaginaient le Messie comme quelqu'un qui allait
comment dire, chef de guerre qui a renversé en fait la situation politique dans laquelle était le peuple hébreu à l'époque en fait. Et donc, étant donné que le roi Hérode était au courant de la prophétie, donc effectivement, beaucoup plus tard après la naissance de Jésus, effectivement, il va tenter justement de le tuer. Bon, on va demander s'il y a de la place quand même. Sorry, vous n'avez pas de chance. Non, il n'y a pas de place. On va parler aux gens quand même, hein. Si vous trouvez une chambre, est-ce que vous pouvez me le faire connaître? Ben, non. Elle est quand même enceinte quand même, hein. On va dire non. What? Oh là là. Il va falloir se battre. Ok. Juste parce que j'ai refusé et tout, il veut se battre contre une femme enceinte. Un touriste émerge. Ok. La Vierge Marie, je vous assure qu'on se battre. Hein. Oh, une chambre. Ok, donc elle est capable de d'attaquer. Il y a Angel, donc on peut invoquer les anges. Ouais, elle peut invoquer l'ange Gabriel, mais seulement en cas si elle est de mort proche. En état de mort, enfin faible. Attaquer. Étant donné qu'on peut pas faire grand chose, le combat n'est pas forcément hyper stimulant. Donc je pense en fait que les prochaines fois, si on a encore des attaques, ce genre de choses, je pense que j'ai carrément coupé. Je vais faire des cuts au montage en fait pour vous épargner ce moment pas du tout stimulant. C'est comme on est au début et là pas forcément. Deux skills. Voilà. Tac. Voilà. Il est presque, j'espère quand même, parce que il est quand même résistant ce touriste hein, quand même, parce que ne pas réussir à battre une femme enceinte et tout. Bon, déjà préciser quand même, c'est une inspiration très large quand même de la Bible, parce que je pense pas à cette époque-là que Marie s'est battue, spécifiquement battue avec des gens pour avoir une jambe. Du moins, c'est pas mentionné. Voilà. Voilà. Enfin, on n'en finit pas avec. Là, je suis en train de spammer le bouton. Entrée et tout, attaque et tout. Déjà, on a remarqué un gros défaut au niveau des combats. Ah, oh, enfin. Ok, la Vierge Marie, on a été victorieux. On a gagné 99 SP et 300 G. Et de la monnaie, on a du pain et du vin. C'est très français. Level 2, donc maintenant je peux invoquer l'ange Raphaël. Je vais essayer level 2. Voilà. Voilà. Donc on va encore tester encore un autre logement. Parler aux gens. Pas va finir par trouver. Il y a un qui propose une alternative. Donc, oui, on peut aller. Ouais, yes, c'est bon, c'est bon. Donc on a réussi à dealer pour changer, pour aller dans pour une étable. Ta 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 ta. Ah, il faut que j'aille dehors. Je suis bête. Ah, on arrive au grand moment fatidique.
partagé, enfin le grand moment où j'ai connu de la nativité, le moment des tables. Elle donna naissance à son fils premier-né, l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Tout à coup, une armée céleste apparut avec l'ange, priant Dieu et en disant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se dire? Ah, oh Dieu! Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes. Et voilà, c'est ainsi que se termine en fait la première partie du jeu Jesus, Baby Jesus RPG. Voilà, qui est un petit jeu indépendant, sans prétention, totalement gratuit. Le reste du jeu, ça raconte à peu près l'histoire avec les Wamages en fait, et on compte faire une petite vidéo dessus, à peu près à la même date que l'épiphanie en fait. Oh, yeah. Et voilà. Et je voulais surtout en fait vous souhaiter, et toi aussi en fait Camille, vraiment vous souhaiter un joyeux Noël. Et on voudrait vraiment vous dire, vous excuser pour les bugs, parce que c'était une vidéo qui était fait un peu, qui était un peu prévue, mais en même temps imprévue, parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir la poster à temps, en fait, tout simplement. Et une dernière chose aussi, loin de moi l'idée de vous faire culpabiliser non plus par rapport à la période de Noël et tout, mais on pense aussi à toutes les familles en fait des victimes de différents attentats qu'il y a eu. Je pense aussi à ce qui se passe aussi à Alep. On pense à ce qui s'est passé aussi en Égypte en fait, dans une église catholique. On pense aussi à ce qui s'est passé à Berlin surtout, c'est le plus récent et ce qui s'est passé qui est le plus proche de nous, sans pour autant mettre de côté aussi ce qui se passe de façon éloignée en fait de nous. Et on voulait vous dire en fait que vous pouvez faire certaines choses, comme par rapport à ce qui se passe à Alep, vous pouvez faire un tour tout simplement sur le site d'Amnesty International en fait, et ils vous donnera en fait les instructions que vous pouvez faire, les actions que vous pouvez faire concrètement en fait pour bouger les choses. Et pour ceux qui ont une certaine spiritualité en fait, qui connaissent la méditation, je vous invite vraiment à prier franchement pour la famille des victimes, vraiment à prier pour ces pays qui ont été touchés, à prier aussi pour vos pays aussi, c'est vraiment, vraiment important, et vraiment que Noël soit vraiment un moment de solidarité, mais au-delà de Noël, il faut vraiment que toute notre vie, tout le long de l'année, ce soit vraiment un moment de solidarité, et que Noël ne soit pas le seul moment où nous pensons aux autres, mais ça devrait être tout simplement le combat de toute une vie humaine en fait, parce que nous sommes tous humains, même si nous sommes peut-être tous différents, mais nous sommes tous humains. Et c'est sur ces mots qu'on va finir tout simplement cette vidéo. Donc sauf si Camille a quelque chose à dire ou qui veut se présenter vite fait, voilà. Non, je n'ai rien de particulier à dire à part qu'il se passe des choses assez particulière, et ça a été comme ça durant toute l'année 2016. C'est pour ça que on vous souhaite, nous tous les deux, un joyeux Noël, en espérant que l'année 2016 sera grandiose. Voilà. Mais attends, avant de vouloir couper, ça va, on va juste dire quel est ce que tu as ressenti en faisant ce doublage en fait. Qu'est-ce qui en ressort Alors, qu'est-ce qui en ressort? C'est la première fois que je fais des doublages pour une vidéo. Et j'avoue que c'était grave fun et que je m'y attendais pas forcément. Et que j'ai bien aimé, et peut-être que je ferai d'autres vidéos avec toi, tout simplement. Voilà. Merci, c'est sur ces mots qu'on va vraiment vous quitter. Joyeux Noël, gros bisous, portez-vous bien. Restez in games, avec amour, avec tolérance. Aimez-vous les uns les autres, pas que pour Noël. Toute l'année, aimez celui qui est loin de vous, aimez celui qui est proche de vous, aimez celui qui est différent de vous, mais quoi qu'il en soit, aimez-vous. Bye et joyeux Noël.